l'actualité sportive de ce jour. Journée FIFA des étalons, fiasco ou réussite avec un match joué et perdu sur deux en prévision. Que retenir de ce premier groupement des étalons après Cannes? Faut-il s'en émouvoir ou s'en inquiéter? Nous poserons ces questions à notre envoyé spécial qui était en immersion dans ce stage. La révolte marocaine au deuxième rendez-vous. Les juniors des Lions de l'Atlas en stage de préparation ont fait craquer les juniors burkinabés au stade du Katout ce mardi. Les étalons n'ont pas subjugué après leur brillante sortie dimanche. Il faudra maintenant passer à la vitesse supérieure. Les 16 clubs de D1 ont entamé ce week-end les phases retour. Bonne opération pour Aïmo FC. Il vient de se payer l'AS FAR Yenga qui va de mal en pis. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Pas de deuxième succès de rang pour les juniors burkinabés. Après avoir assommé les juniors marocains 3-1 dimanche, les étalons n'ont pas rassuré ce mardi. Les Lions de l'Atlas les ont surpris 1-0 au stade du Katout de Ouagadougou. Roger Kam, Lassina Sawadgo. 72 heures après leur première confrontation, juniors burkinabés et marocains se retrouvent pour un remake. 3-1 à l'aller pour les étalons avec un premier groupe. Ce soir, avec une température clémente pour les Lionceaux et un nouveau groupe pour les étalons, Séraphin Dargani continue la recherche d'une équipe. Difficile de trouver du rythme, les étalons sont amorphes. Conséquence, deux remplacements à la demi-heure de jeu. Plus rien jusqu'à la pause. À la 55e minute, Lamine Yassine est à la conclusion d'une action pour l'ouverture du score au profit du Maroc. 2 en autant de rencontres pour le buteur des Lionceaux. Les étalons frustrés vont tenter de revenir. Les actions s'enchaînent, mais le filet marocain ne tremble pas. Score final, 1-0 pour les Lionceaux du Maroc. Le séjour burkinabé est jugé bénéfique pour le royaume chérifien. Nous avons joué pas contre la même équipe, hein, parce que je sais que les gamins, ceux-là, ils allaient partir en Italie, mais ils étaient frais, hein. Ils n'avaient pas un match dans les jambes. Nous, par contre, on avait un match dans les jambes sous 42 degrés. Ils n'ont pas l'habitude parce que, comme j'ai déclaré la dernière interview, que 70% de ces gamins marocains n'ont jamais été en Afrique. Moi, je suis très, très satisfait des deux matchs. Deux matchs et deux visages, un écart de niveau, des mesures vigoureuses à prendre. Ce soir, j'ai vraiment été donc... C'est pas moi, vraiment très déçu parce que là, je vois des gens qui sont censés jouer pendant longtemps au haut niveau, qui jouent dans notre championnat, qui sont au-delà du championnat et qui sont incapables de contrôler un ballon. Franchement, le chantier est grand, mais ça, visiblement, les joueurs qui vont partir à la maison, ça n'a rien à faire. Il faut en chercher d'autres pour complément d'effectifs. Le chemin est long et le Maroc veut bien aider le Burkina dans sa quête d'une nouvelle équipe cadette et junior. J'ai demandé à l'entraîneur, à travers lui, d'être le DTN pour qu'ils nous rendent visite aussi au Maroc pour deux matchs. On va programmer ça parce que j'ai toujours aimé jouer contre les Burkinabés parce que ça joue bien. Donc on les a invités au tournoi l'année dernière, au tournoi de l'UNAF, U17, ils étaient champions. Et donc j'aimerais bien qu'ils nous rendent visite là-bas et qu'on joue encore deux matchs parce que ça va nous faire du bien. Étalon cadet, étalon junior, la prospection doit continuer tant le boulot est énorme. Nous restons avec les deux formations pour monter un cran au-dessus et décrypter les journées FIFA de la semaine écoulée avec un témoin privilégié, notre envoyé spécial, Victorien Marienne. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle, d'avoir préparé. Vous avez assisté au match amical international vendredi dernier entre les deux sélections, burkinabèse et marocaine, soldé par la victoire 2-0 du Maroc. Pourquoi les étalons n'ont pas enchaîné après leur brillante canne? Oui, vous savez, en la matière, ce n'est pas toujours évident d'enchaîner. Mais il faut dire que pour ce match, il y avait un objectif. Je crois que le staff technique voulait quand même voir certains joueurs, certains bleus, si je peux m'exprimer ainsi, des étalons. Et donc, forcément, il y a eu quand même cette contre-performance en griffe, parce que quand même, il y a des matchs amicaux. Surtout une journée FIFA, ça donne des points ou vous perdez des points. Mais je crois que au-delà du score, il fallait voir certains acteurs en situation de jeu.
et ce qui a été fait. Et c'est vrai que bon, il y a eu un premier groupe qui a joué contre le Maroc. On s'attendait à voir le deuxième contre les Sapa Eagles du Nigeria, mais ça n'a pas été le cas. On va parler de nouveau. Est-ce qu'ils ont répondu présent? Vous particulièrement, vous ont-ils convaincu sur le rectangle vert? Qui vous a le plus convaincu? Bon, je ne vais pas faire de jaloux, dire qui m'a plus convaincu. Bon, il faut d'abord noter qu'il y a eu quand même de la mobilisation. Ces jeunes footballeurs professionnels ont répondu, sauf Abdoul Ghaffar Sirima, qui je crois que son voyage s'est arrêté à Paris pour qu'est-ce problème de visa. Après, on n'a plus de contact avec lui, certainement qu'il est retourné en Russie. Mais je peux dire que ceux qui ont eu la chance de jouer, par exemple Dylan Ouédraogo a joué, Patterson, Anthony Koura un peu, Stéphane Azizki. Bon, je pense que la concurrence va être rude au sein de cette équipe nationale de Burkina Faso. Et c'est une très, très bonne chose. En tout cas, j'ai vu des jeunes décidés, en tout cas à défendre les couleurs nationales. Et c'est une très, très bonne chose. Et je pense que ceux qui ont joué, ils ont donné à voir. Et ceux qui n'ont pas eu, en tout cas, cette opportunité de se produire sur le rectangle vert avec le maillot du Burkina, je crois que ce n'est que partie remise. Mais c'est que, bon, ça devient compliqué avec la prochaine journée FIFA. Je me demande si on pourra avoir un match amical avant les choses sérieuses. Donc c'est un peu à ce niveau que les choses ont calé, si je peux m'exprimer ici. Et pourquoi le match contre le Nigeria a été annulé? La fédération nigériane nous a fait savoir vendredi soir qu'il y a 7 étalons donc, qui ont été régalés pour faute de visa. Est-ce le cas ou bien il y a d'autres raisons? Bon, écoutez, on a tout entendu sur cette mission. Je crois que on n'est pas à Londres pour problème de visa. Problème de visa. Avant le départ, on a tenté du côté de d'Accra, à l'ambassade, bien sûr, l'Angleterre à Accra, échec mat. On a dit, OK, bon, on y va, on va au Maroc. Comme il n'y a pas de problème de visa pour aller au Maroc, avec les passeports de service, on est parti. Le monsieur qui est chargé de ce dossier a continué à Rabat pour se battre encore une fois, c'est le cas de le dire. Je crois que j'ai appris qu'il y a 7, c'est faux. Aucun passeport n'a été reçu à l'ambassade de l'Angleterre. C'est quand on est revenu qu'on a appris, effectivement, dans le magazine, que le Nigeria a dit qu'il y a 7 Burkina, 7 joueurs qui n'avaient pas eu de visa. Mais si c'était 7, les restes pouvaient aller jouer le match. Donc je pense que non, il y a eu un problème d'organisation, je l'assume. Et ce qui a fait que on n'a pas pu avoir les visas. Et la vérité, Christelle, c'est que le visa britannique ne sortit pas en restant à Ouagadougou. Exactement. Et puis envoyer les photos et autres paperasserie à Accra ou dans une ambassade. Et c'est un visa biométrique, donc il fallait la présence physique des uns et des autres. Voici la vérité. Ce n'est pas un problème d'argent, je pense non, c'est un problème d'organisation. Je pense que, et il faut le dire, le staff technique n'est pas du tout content de cette situation parce que quand même, ça fait un les mois. Les joueurs non mois. Plus, hein, les y joueurs, bien aussi sûr. Qui voilà, voulaient voilà, convaincre voilà, pour leur première sélection. Et Patterson m'a confié, par exemple, qu'à Coro, ce match contre le Maroc, là, je savais que ça allait être difficile parce que tout le monde parlait du match contre le Nigeria. Il y avait une revanche en l'air, la finale voilà, de la voilà. CAN 2013. Donc lui, il y avait des appréhensions même avant de jouer ce match. Il se demande, mais pourquoi tout le monde parle du deuxième match alors qu'il y a le premier match? Donc ça veut dire que quand même c'est un rendez-vous manqué et c'est un coup dur dans la construction d'une équipe homogène et compétitive parce que je l'ai dit, il faut injecter du sang neuf dans cette équipe et je crois que vraiment ce n'était pas bien de rater ce rendez-vous. C'est vrai, il y a eu des plans B, des plans A. Exactement, et on nous parlait d'un club. Non, Maroc. Ouais, après on nous a fait comprendre, Manu Militari, on a quitté Marrakech pour Casablanca, espérant, bon, la fédération était dans les transactions, pour voir si le Nigeria pouvait nous rejoindre au Maroc, ça n'a pas marché, on a tenté, je crois que
Centrafrique était dans les parages. Bon, donc bref, je crois que le plan A, petit A, ou le plan B, petit B, tout ça là, ça n'a pas marché parce que, il faut le dire ici, hein, on s'est pris un peu tard. Et je pense qu'à l'avenir, il faut qu'il y ait de la rigueur dans l'organisation donc, des voyages. Surtout si nous voulons aller loin avec cette équipe nationale, il faut une grosse organisation. Je ne dis pas que ce qui se fait, ce n'est pas bien, mais je pense qu'on peut améliorer et puis éviter des situations assez fâcheuses. Merci beaucoup, Victor et Marianne, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez notre envoyé spécial du côté de Marrakech pour le match amical Maroc-Burkina. En bref, le bureau du Conseil de la FIFA a présenté ce jeudi 30 mars sa proposition de répartition des places pour le nouveau format de la Coupe du Monde à 48 à partir de 2026. Si le Conseil de la FIFA valide le modèle le 9 mai prochain, à Manama, du côté du Bahreïn, l'Afrique aura désormais 9 représentants au lieu de 5 actuellement. L'AFC, l'Asie et l'Australie passeraient de 4 à 9. La CONCACAF, Amérique centrale et du Nord, de 3 à 6. Directement, le CONMEBOL, Amérique du Sud, de 6 places, soit plus 2 directement. L'OFC, 2 places directes. Et l'UEFA, 16 places directes, soit 3 de plus. Il y aura en plus 2 qualifiés à l'issue des barrages. En rapport toujours avec la Coupe du Monde, sachez que le premier pays qualifié pour Russie 2018 sur le terrain est le Brésil. Il a composté son ticket sur le terrain après avoir surpris donc, après sa victoire, du moins 3-0 sur le Paraguay dans la nuit de mardi à mercredi et grâce à la défaite de l'Uruguay au Pérou 1-2 lors de la 14e journée de la zone AMSUD. Le Brésil donc rejoint la Russie, pays organisateur. Toujours en bref, 3 candidats que sont le Français Willy Sagnol, l'Allemand Winfried Schaeffer et le Ghanéen James Kwasi Appiah sont les finalistes pour la succession de l'Israélien Evram Grant au poste de sélectionneur des Black Stars. Au total, la Fédération ghanéenne de football a reçu 132 candidatures. Et après Madagascar, ce sont les Comores et le Soudan du Sud qui intègrent les phases de poule de la CAN Cameroun 2019. La première journée se disputera du 5 au 13 juin prochain. Retour au Faso, l'AS Fayenenga ne va toujours pas bien. La première journée de la phase retour, la 16e de cette D1, ne lui a pas fait de cadeau en déplacement à Bobo Dioulasso. Les jaunes et verts ont été cueillis et refroidis donc par Aïmo FC dès la 34e minute par Franck Traoré. Le but donc que vous voyez sur nos antennes, un but qui permet à Aïmo FC d'engranger les 3 précieux points de cette première journée du championnat national DD1. Et le principe de sens inverse adopté depuis le début du championnat, l'EFO, la rivale de l'AS Fayenga, retrouve ce week-end l'AS Sonabel et faudra faire mieux. Falcao, plus léger, veut aller à la conquête du podium. Passage obligé, s'offrit la reine des stades. Y arrivera-t-il? Réponse demain. Mais jeudi, en conférence d'avant-match, il s'est voulu serein. Amadou Ilboudo, Kalfa Ouattara. Je pense que l'effectif de l'AS Sonabel n'est pas le dernier du championnat. Ça, au moins, c'est clair. Mais seulement, je l'ai dit ici plusieurs fois, notre équipe a manqué beaucoup de chance. Nous n'avons jamais pu aligner notre équipe souhaitée. Ces mots de l'entraîneur de l'AS Sonabel expriment tout le ressenti et le malaise suite aux mauvais résultats et le regard porté sur l'équipe. Je me reconnais dans l'équipe à des fois, mais pas dans la totalité de ma stratégie de jeu. En tant que sportif, quand ça ne suit pas, il y a des moments où vous êtes tendu. Il y a l'envie de gagner, il y a le stress, il y a tout. Partout, il y a l'électricité. Pour le moment, je maintiens au championnat, je maintiens au match. Et j'ai dit, par philosophie, un entraîneur, la vie d'un entraîneur est faite de ça. Et ça marche ou ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, c'est sur l'entraîneur, le bouc émissaire. Et il faut être prêt à tout. Et lorsque la Ligue de football professionnel désigne l'AS Sonabel comme l'équipe la plus sanctionnée, Falcao hausse le ton. Je pense que c'est une mauvaise appréciation. D'abord, les cartons rouges, je n'ai pas les statistiques et je ne pense pas que ce soit le cas. Et d'ailleurs, moi, je pense que mes enfants ne sont pas agressifs. C'est une appréciation que les gens ont de façon erronée sur nous. Je pense que les gens doivent arrêter de nous qualifier d'équipe physique comme ça. On est peut-être athlétique, mais je ne pense pas qu'on soit brut. Face à l'EFO,
les électriciens entendent prendre un nouveau départ pour l'atteindre de l'objectif fixé. Être sur le podium. C'est un discours qui est là depuis le début. De toute façon, notre objectif, c'est d'être sur le podium. C'était l'objectif au départ. Lorsque nous allons rencontrer, on va discuter pour voir dans quelle mesure nous pouvons maintenir cet objectif. L'effort qui s'est renforcé offensivement se fixe pour objectif, le titre. Même si son entraîneur Bourama Kabouré pense que l'opposition contre la Sonabel sera très très difficile. Le samedi, ils vont venir regarder parce que c'est le faux. Et c'est ça aussi, c'est bien parce que ça donne quand même un bon niveau aussi dans le championnat. Vous allez voir. Donc nous aussi, par rapport à ça, on s'est préparé. On sait que c'est pas facile et on a fait un travail au niveau de nos joueurs. On leur a dit que non, il faut qu'on soit à 100%. Pourquoi pas plus que 100% parce que les équipes viennent aussi pour chercher les 3 points face à le fou. Il y en a qui se prennent pour des gladiateurs de ce pays. Peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'on pense que c'est eux qu'on veut tout le temps battre. Mais moi, je n'ai pas de motivation particulière face à une équipe ou une autre. Nous montons notre stratégie en fonction du jeu de l'adversaire que nous avons analysé par rapport aux joueurs que nous avons en main au moment T. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une motivation particulière parce qu'en gagnant contre le faux, ce n'est pas sûr que nos problèmes soient finis. Et faux à Sonabel promet des étincelles. C'est samedi au stade Issoufou Joseph Konambo à partir de 16h et sur la RTB. Le duel des mal classés COSAF Santos est tout aussi prometteur avec Issa Balbonnet sur son banc. Le Santos voudrait surprendre et se signaler. Mouni Kwanda également avec COSAF. Jean-Jacques Kabouré et Mouni Kwanda ont planté là également le décor. Ils sont toujours au micro de Kalfa Ouattara et Amadou Ilboudou. On va aborder le match comme d'habitude pour gagner. Et on n'a pas autre solution. À phase de tout, il faut gagner les matchs. Mais maintenant, la vérité, c'est 90 minutes. Sinon, il n'y a pas autre solution pour le moment. Il faut gagner les matchs. Nous allons en tout cas jouer pour gagner. Mais si Dieu du football est là, si à la fin du match, on ne gagne pas, ça fait partie du sport. On n'a pas d'autre choix pour le match de samedi. Nous aussi, on part pour gagner ce match. Et que coûte le match, on gagne le match. Le barca de bon Dieu qui est là pour tout. Madame. Mais ce match, sans trop passer, on part pour les 3 points. Comme on a eu un changement de coach, actuellement le niveau, aussi la piquée, bon, la son système qui est là, et puis les jeunes aussi actuellement, ils sont confiants. De manière, le comportement de l'entraîneur. Donc, avec le renforcement de d'autres joueurs, mais on ne tient pas compte d'eux parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont être là pour ce match. Donc on va continuer avec les Anglais mêmes qui jouaient d'habitude avec le nouveau système que le coach aussi a appliqué. Pour continuer à dérouler le programme sportif du week-end, nous recevons sur ce plateau Lassine Assawadgo. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Outre ces deux rencontres de D1, les 14 autres clubs seront à l'affiche. Oui, les 14 clubs seront à l'affiche. Hein. Il faut noter que, vous l'avez dit, hein, c'est la phase retour. Et là, les clubs n'ont plus droit à l'erreur, surtout pour ceux qui veulent rester en première division. Pour ceux aussi qui ont des ambitions de titre, il faut véritablement aller vite. Et bien, parce que le RCK a pris une longueur d'avance sur ses poursuivants en immédiat, ce qui nous amène déjà à parler du Red Club du Kadougou, qui se trouve du côté de Banfora, hein, après son match nul face à l'USCO de Banfora en semaine. Et l'USCO et le RCK donc, se transportent du côté de la cité du paysan noir pour cette 16e journée. Vous savez, hein, le RCK a vécu une situation très, très particulière parce que vous savez, au RCK, la prime est à 20 000 francs. Ils ont eu 7 victoires d'affilée. Il paraît que là-bas, après le match, on nous a dit qu'à chaque victoire, la prime montait de 5 000 francs. Ils étaient passés à 55 000 francs parce qu'ils avaient eu 7 victoires d'affilée. Et puis comme ça, l'USCO de Banfora est venu ramener la prime à 20 000 francs. Imaginez un peu. C'est que ça doit faire dans la tête de ces joueurs-là qui doivent repartir. Donc, sur la base de 20 000 francs, c'est tout dire ainsi, le choc vécu par les Faucons à l'issue de ce match nul face à l'USCO. Donc, samedi, sur le coup de 16 heures au stade municipal de Banfora, l'USCO de Banfora qui est en train de lutter avec son nouvel entraîneur pour rester dans l'élite
croise à nouveau le Rail Club du Kadogo et les joueurs de l'île, ce que nous ont dit, sur le terrain, appelé le gra-gra pour dire que le terrain nu, ils essaieront de faire chuter le leader qui est invaincu jusqu'à présent. Une forteresse, hein, on verra. À suivre. On verra ça en tout cas. La prochaine rencontre. À suivre sur le coup de 16h au stade municipal de Banfora. Et puis, opération remontada du côté de Kudugu Christel. Vous savez que le BPS de Kudugu est 16e, mais 16e avec 6 points. Et puis, à côté, il y a l'équipe de Santos qui a 9 points. C'est dit que Kudugu peut encore rester dans l'élite, mais pour cela, il faut, comme je l'ai dit, une opération barracuda et remontada pour les grenouilles bleues de Kudugu qui reçoivent qui ce week-end? L'Union sportive de Ouagadougou-Luso. Le 16e face au 5e, c'est une grosse opération qu'il va tenter de faire nos amis de Kudugu. Et ce match se jouera au stade municipal. Une précision importante, au stade municipal de Kudugu. Avec son nouveau gazon. Non, pas de nouveau gazon pour le moment. Il paraît que la plateforme est déjà bien faite. Et Kudugu a demandé donc à jouer sur cette plateforme-là parce que, paraît-il, ça réussit mieux au stade municipal que du côté du stade Batiopo au Balibier. De toute façon, vous serez du côté de Kudugu donc pour nous rapporter des images de cette rencontre. On vous enverra des images pour confirmer tout cela. Et puis, Christelle, on va aussi préciser un match important. C'est du côté du lycée Vive le Paysan de Saponnet. Du côté de Saponnet, nos amis de Saponnet auront la chance de voir le Majestic qui est classé 9e avec 22 points sera face à l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso qui a calé un peu hein, depuis la dernière partie de cette première phase. Les poulains de Oscar Barreau ont calé un tout petit peu. C'est vrai qu'ils sont 4e avec 24 points. Puis Majestic 9e avec 22 points. Samedi 16h, lycée Vive le Paysan de Saponnet. On a déjà parlé de la défaite de la Sfaïnega face à Raymond aujourd'hui. On a parlé Bobo. De ce match en direct. Hein. Ce match en direct tout à l'heure avec Alpha Ouattara entre les faux. Les faux, on rappelle que le match allait, il y avait 0 buts partout. Un match nul qui avait un peu attristé nos supporters du côté de l'étoile filante de Ouagadougou. Et puis en deuxième heure, samedi, Santos. On aura COSAF Santos, Christelle. On va terminer cette première page de ce programme avec ce match RCB-USFA. Qui est prévu jusqu'à présent, demain, sur le coup de 16h au stade Wobi de Bobo Dioulasso. On a laissé ce match pour la fin parce que, vous l'avez sans doute appris, il y a eu une grosse nouvelle du côté du RCB. C'est le décès brutalier de son gardien de but, Milogo. Voilà que vous voyez sur ces images. Donc, le jeune gardien Milogo hein, qui a quitté les siens hier sous le coup, hier en tout cas autour de midi. C'est un étudiant au lycée, à l'université polytechnique de Bobo Dioulasso, voilà. Et qui était le gardien remplaçant. Et vous savez que ces derniers temps, Baba Zongo avait quitté hein, la maison RCB. C'était donc Milogo qui devait bientôt assurer hein, la place de titulaire dans le cage du RCB. Et puis comme ça, ce coup dur est venu frapper la grande famille des Blancs et Noirs de Diaradougou. C'est un coup dur. Hein. On vous annonce que les obsèques, l'enterrement est prévu pour demain sur cimetière municipal route de Bama. À toute la famille, au pluriel, à la grande famille du RCB, hein, au nom du service des sports, on présente nos condoléances les plus attristées pour ce jeune promoteur qui nous quitte à la fleur de l'âge. Jusqu'à présent, on vous annonce ce match RCB-USFA. C'est le 3e contre le 2e. C'est le choc de cette 16e journée du côté du stade Wobi de Bobo Dioulasso. Si ce match a lieu, ce sera demain, donc, sur le coup de 16h, Christelle, voilà. AGEP AS Police également. Oui, AGEP AS Police également. C'est vrai que j'avais oublié ce match. C'est dimanche, c'est vrai, c'est dimanche. Sur le coup de 16h au stade Wobi, l'AGEP qui est classé 7e avec 23 points, reçoit l'AS Police qui est classé 6e avec 23 points, séparé seulement par un goal à l'average. L'AS Police qui s'est bien comporté dans cette fin de championnat. Et puis l'AGEP aussi qui se comporte bien. Donc, un duel du ventre mou du classement entre l'AGEP et l'AS Police. Dimanche, sur le coup de 16h, au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Football féminin, nous jouons la 11e journée. Oui, la 11e journée aura lieu ce dimanche, encore sur le coup de 7h30 sur nos terrains. Terrain de l'étoile filante de Ouagadougou, l'Union sportive des forces armées sera face aux étincelles. 7h30, terrain est faux. Et puis au stade Wobi de Bobo Dioulasso, les Lyons seront face aux Rennes. Sur le coup aussi de 7h30, et puis au camp Bankui de Dédougou, Danta AC sera face aux Princesses et sur le terrain de l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, AS Tigresse sera face à NAS féminin. Voici donc et le programme du football féminin. Du côté des handballeurs, on jouera pour la 3e journée de la Coupe Poulma distribution du président de la Ligue du Centre. Oui, Kounban distribution sur 3e journée ce samedi 1er avril.
USCA face à l'AS Douane à Christelle. C'est sur le coup de 17h et c'est au plateau Jean-Pierre Guingané, numéro 2 plateau, numéro 2 mais avant, sur le coup de 15h, hein, les dames s'affronteront. L'ONABE Handball Club sera face à l'ASFA Yenega aussi, terrain 2, hein, Jean-Pierre Guingané, 15h30 pour les dames, et puis USCA AS Douane, 17h. C'est une opposition 100% homme. Et puis, sur le terrain de l'ISSDH, ex-INGFS, Christelle, en dames, on aura l'AS Sonabi face à l'AS Douane. Les pétrolières face au Gabelou, sur le coup de 15h30, l'AS Sonabe, les électriciens seront face aux pétrolières, sur le coup, non aux pétroliers, parce que c'est, ce sont les électriciens, ça c'est un homme. Mmh. AS Sonabel, AS Sonabi, 17h, terrain ex-INGEPS. Voici donc le programme de la troisième journée de la Coupe Pullman Distribution. Et il y aura du volleyball dans le centre-sud à Manga, précisément. Oui, du volleyball dans le centre-sud avec la Coupe du gouverneur de la région du centre-sud sur le plateau de la Direction provinciale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Zunwebgo, c'est à Manga. Demain, sous le coup de 16h, un face-à-face Christelle entre les forces de l'ordre et les enseignants. C'est une coupe du gouverneur mis en jeu avec la collaboration de la Direction régionale des sports de la région du centre-sud. Objectif, renforcer les liens entre les différentes couches de cette partie du Burkina Faso. Demain, 16h, sur le terrain donc, de la Direction provinciale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des Zunwebgo, il y aura du volleyball. Les habitants de Manga sont tous conviés. Autre rendez-vous sportif? Non, c'est tous les rendez-vous. Il faut donc se rendre sur les différents plateaux et terrains pour vivre ou la première division, ou le football féminin, ou encore le handball, ou le volleyball du côté de Manga. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour toutes ces actualités. On vous l'a dit, le RCK freiné. Le Rai Club du Kadjogo, après avoir tombé ses rivaux du Faso Foot, a marqué le pas devant un relégable. L'USCO de Banfora a contraint le champion à mi-parcours, le RCK, au nul de 0-0. C'était mercredi au stade Issoufou Joseph Konombo, un match en retard de la 15e journée. Amadou Ilboudou avec cette fois-ci Jean-Modeste Ouedraogo. L'USCO de Banfora et son nouvel entraîneur ivoirien peuvent remercier le ciel à l'issue du match nul face au Faucon du Rai Club du Kadjogo. Il n'y a pas d'autre secret que Dieu. C'est lui seul. Je suis confié à Dieu et il a opéré le miracle. C'est ma mission. Je suis comme un Jésus-Christ. Donc c'est cool. Jésus-Christ va faire son travail pour sortir l'USCO dans le danger. Arracher un point devant le leader n'était pas si évident avant le début du match. La première mi-temps est largement à l'avantage des hommes de Kamou Malo. À la 20e minute, le centre-tir de John Guérémia atterrit sur la barre transversale. Le RCK domine, mais confond vitesse et précipitation. Résultat, toutes les actions offensives sont brouillonnes. À la 30e minute, l'USCO sort de sa torpeur et titille les oranges et noirs, intouchables dans le face au foot. Salifou Zougri se déjoue du marquage et tente une reprise qui passe au-dessus. La mi-temps intervient sur le score de 0-0. Ce qui se présentait comme une simple formalité devient un os dans la gorge des Faucons. Dur à avaler. À la reprise, les hommes du nouveau Messie de Banfora, Hubert Zoubo, prennent confiance et montent en puissance. Ils assiègent le camp des Oranges et Noirs et envisagent le hold-up. Finalement, la défense se dégage et donne un peu d'air aux Faucons. La situation se complique. Malo fait entrer Sidiki Abaka Traoré, Alex Assamoa et Hervé Oussalé sur le front de l'attaque. Les occasions se multiplient sans succès. Toutes les tentatives sont vaines. La pression du RCK est infructueuse. L'USCO de Banfora contraint le Rai Club du Kadjogo au partage des points malgré une dernière percée de Sidiki Traoré. Score final 0-0. La fraîcheur physique a manqué à l'équipe du RCK. Il faut le dire, nous avons senti ça depuis la préparation au cours de la semaine. Et nous avons essayé de travailler à remonter cela, mais voilà, nous avons quand même pris le coup ce soir. Et moi, de mon côté, c'est que j'ai pu constater, je pense que nos attaquants sont un peu pressés. On est pressé de marquer et je pense que ça nous joue vraiment des tours. Et si on est pressé de marquer, je pense que souvent on danse plus que la musique. Tous nos matchs seront des coupes, des matchs de coupe. On fait tout possible pour que l'équipe se maintient. Parce qu'en ce moment, on sait que tout le monde est conscient de la situation. Là où l'USCO vit maintenant, ce n'est plus d'égarer.
On va pousser encore. Ce samedi, les deux équipes se retrouvent pour le compte de la 16e journée et cette fois à Banfoura, la cité du paysan noir. Malgré leur handicap, ils portent haut les couleurs nationales. Les étalons spéciales olympiques sont revenus avec la médaille d'argent en floorball des récents Jeux mondiaux. Compétition qui s'est tenue en Autriche du 14 au 25 mars dernier. De retour, ils ont été reçus par le ministre de tutelle Tayuru Bangré. Mamadou Wina. Ces joueurs sont des étalons du spécial olympique. Ils ont terminé deuxième du tournoi de floorball unifié lors des Jeux mondiaux spécial olympiques qui se sont déroulés en Autriche. Floorball est une discipline qui se joue avec une raclette et un ballon sur un terrain de 40 mètres sur 20 et n'importe quel terrain lisse. Et puis bon, donc du coup, on n'a pas vraiment besoin de glace pour jouer. Voilà, dans la compétition internationale, elle se tient sur un terrain comme un terrain de handball, voilà, avec des petits buts de 1 mètre de part et d'autre, un gardien de but et 5 joueurs et 4 joueurs de champ. Elle peut se jouer aussi avec 3 joueurs de champ. Les étalons spéciaux olympiques ont été vaillants avec 5 victoires en 5 matchs avant de perdre en finale devant les éléphants de Côte d'Ivoire par 3-2. Des éléphants olympiques que les Burkinabés ont pourtant battu en match de poule par 5-2. La médaille d'argent conquise en Autriche est donc une performance qui mérite bien toutes les attentions des autorités chargées du sport. Ces médailles, donc, ils ont pu avoir là-bas. Je dis, le ministère ne dérogera pas donc, pour appuyer dans toutes les disciplines. Donc, les handicaps, vous savez, on ne va pas les brésiliens, on ne va pas les aider là-dessus. Chacun des 10 étalons spécial olympiques a reçu 50 000 francs et les encadreurs sont 15 000 francs. Le floorball est tout nouveau dans notre paysage et cette médaille d'argent augure des lendemains meilleurs. En dehors des pays scandinaves comme le Danemark où elle est née, qui ont un niveau un peu plus supérieur, je crois que tous les autres pays avaient à peu près le même niveau. Donc, bon, le Burkina est aussi parti. Elle a joué, elle s'est battue comme elle pouvait. Et voilà ce que ça a donné comme résultat. Autour de la médaille d'argent en floorball, spécial olympique Burkina a aussi émerveillé avec son façon d'enfani. Bravo donc à toute l'équipe. 72 heures pour acquérir les meilleures pratiques du Vau Vietnam. Les Vauchines nationaux ont bénéficié de l'excellence de leur discipline lors d'un stage international du 23 au 25 mars dernier au Palais des Sports de Ouagadougou. Qu'ont-ils appris et retenu? Constat avec Jérôme Tenderbego. Comme cela est de coutume depuis déjà quelques années, près de 200 Vauchines venus de la capitale, mais aussi des régions, ont pris d'assaut le plateau du Palais des Sports Ouagadougou pour suivre les enseignements de professeurs burkinabés, algériens, français et suisses. Tout le monde a vu ? Qui est l'occasion de perfectionner la formation des professeurs et aussi d'encourager les élèves. Pour nous, c'est très important d'échanger entre nous, de travailler la technique. Donc ce stage, ça dure pratiquement chaque fois 3 jours. Il y a des cours pour la commission technique, qui sont les experts, pour les professeurs, qui sont les enseignants, et pour les élèves aussi qui sont présents. Au Vau Vietnam, les stages sont loin d'être une formalité. On prend, on passe comme ça. Il y a 7 qui ont eu Sainte-Noire, et on a fait des révisions, ce qu'il y avait déjà Sainte-Noire. On les a fait reprendre. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas eu les ceintures. Il y a d'autres qui sont gradés. Comme les niveaux n'étaient pas ça, on les a dégradés pour qu'ils reviennent à zéro. On demande à ceux qui n'ont pas les niveaux, quand les niveaux sont baissés, de retravailler, de revenir travailler. On va les soutenir pour qu'on va organiser des stages de niveau international encore et au niveau national aussi pour pouvoir les donner de nouveau, bons niveaux. Des séries au Tao, les stagiaires ont peaufiné leur technique à tous les niveaux. Je
j'ai appris la troisième série et puis le troisième temps aussi que j'ai amélioré mon niveau. Je pense que si je pars, s'il plaît à Dieu, j'apprends le quatrième temps. Et on doit dire vraiment avec grande reconnaissance que tous les professeurs burkinabés font un travail extraordinaire. Ils sont très enthousiastes et très sérieux. Et ça nous encourage beaucoup. Des attestations ont été décernées aux participants qui se sont donné rendez-vous en 2018. Elles sont au ministère des Sports et des Loisirs. Quoi de plus normal que de faire la promotion de l'activité sportive? Jeudi, l'Amicale des femmes du dit ministère a organisé une séance d'aérobic au profit des femmes, mais aussi des hommes. À la place de la nation, une séance pour commémorer en différé la 160e journée internationale des droits de la femme. Konsuno Koulibaly, Samira Sana et Mamadou Wina. Un 8 mars célébré en différé 7 mai, comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais, car regrouper des hommes et des femmes pour la pratique du sport n'est pas la chose la plus aisée sous nos cieux. Cette fois-ci, ils étaient nombreux pour cette séance d'aérobic initiée par l'Amicale des femmes du ministère des Sports et des Loisirs. Nous avons invité beaucoup de catégories, les femmes, les jeunes, les vieilles, vous avez même peut-être vu des femmes handicapées qui étaient là. En tout cas, l'objectif, c'est de faire participer au maximum toutes les femmes. C'est un réel plaisir aujourd'hui de venir fêter le 8 mars, nouvelle formule avec les femmes, et dire que le sport devrait faire partie de notre quotidien et encourager des initiatives pareilles. Cette activité, les femmes du ministère des Sports et des Loisirs aspirent à la perpétuer. Et pour le coup, elles peuvent compter sur le docteur Tayourou Bangré. Ça fait du bien le sport. Lorsqu'on vient accompagner les dames du ministère, ça fait toujours du bien. Et juste pour les remercier pour ce qu'elles font. Et ça fait partie donc de leurs activités. Donc j'ai tenu à venir les remercier. La séance d'aérobic de l'Amicale des femmes du ministère des Sports se veut un cadre de promotion du sport féminin et aussi du sport pour tous. Du sport pour tous qui, de la vie de beaucoup de praticiens de la santé, procure santé et bien-être. Voilà, donc on a allié le sport à l'agréable. C'est donc la mauvaise nouvelle de la semaine. Le gardien donc du RCB, Charles Mamilogo, n'est plus. Et pour cause donc de ce décès, le match RCB-USFA qui était prévu pour samedi a été reporté pour le lundi, toujours à 16h au stade où toutes nos colonias, la famille est pleurée. Et Foué Sounabel, ça sera en direct donc sur nos antennes à 16h. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.